qui ont déjà mis là, tu les bloques déjà, mon frère. Tous ceux, tu t'en vas, tu rentres, tous ceux qui avaient déjà mis là, tu vois, dans les cœurs, et puis les pouces. Et... Vous êtes là, vous faites vos directs jusqu'à fatiguer, vous ne me voyez pas là-bas. Si ce n'est pas les gens qui m'envoient là, vous ne me voyez pas là-bas. Je n'ai pas envoyé Avatar pour aller. Capaï, il n'a pas le temps pour ça. Tout mon temps est consacré à trouver à trouver toutes vos marmailles là. Tous les mensonges que vous avez fait là. Pour effrayer les gens avec vos grandes gueules, pourtant vous n'avez rien. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire là-bas, il n'y a pas plus pauvre que vous. Vous avez été tellement frustré de votre pauvreté que vous êtes obligé de. Vous voulez avoir l'argent par tous les moyens. Merci mon frère, on est ensemble. Merci là-bas. Faut bloquer tous les babiers là, tous les mercondins là. Ok, merci là. Heureusement qu'il y a des anges partout. C'est comme ça, yo. Quand Dieu est dans ton affaire là, les anges viennent de partout. C'est comme ça que ça y est. Les anges, ils viennent de partout. C'est comme ça que ça y est. Merci, Sita Fofana. Je te love grave, mon frère. Gladys, c'est. Merci là-bas. Est-ce que les dresseurs des chameaux infatigables du désert sont là? Est-ce que les dresseurs des chameaux infatigables du désert sont calés? La team Yaka est là? La team Yaka est dans la place? Pause musicale pour écouter les injures qui piquent à l'encontre de la Guenon. Il faut s'abonner à la page Yaka Yaka Paris Bis officiel. C'est là que tout se passe. Merci là-bas. Et big up à toi là-bas, ma soeur de Toulouse. J'espère que tu as passé un bon dimanche, ma chérie. Oui, qui cherche trouve. Dans la vie là, quand tu cherches là, tu finis par trouver. C'est comme ça que ça est. Tu cherches jusqu'à tu vas arriver quelque part là où on te bloqué. Voilà, c'est comme ça est. How are you? I'm fine. And you? Les Américains sont en train de me parler anglais. I don't speak English, oh. I don't speak English, oh. Il dit salut le dompteur des chameaux. Ah oui, il les a domptés, ces bâtards-là. Ils sont en train de jeter une faille pour, ça, pour pouvoir s'en sortir. Parce que Lolo est convoqué au tribunal. Tête de mort, là, c'est quoi? Dites-moi. Hé, hey, ma chérie, bon, quelqu'un va t'expliquer ça après.
Les bâtards, là, quand tu les insultes, dis-moi comment on fait pour bloquer. Non, non, il y a quelqu'un qui s'en occupe déjà. T'inquiète, aimé à bout. Merci là-bas. Ça n'a pas loupé, il a dit bébé je veux t'épouser. Ah là là là, les Boudakrou en tout cas, faut dire encore. C'est des vrais Boudakrou. Donc, Makoso, celui chez qui tu loues maison là, à 8e tranche là, je connais le ministre là. Voilà, j'ai parlé avec lui. Tu loues appartement. Tu dis que tu es riche, tu loues appartement. Et puis, ce qu'il fait, il s'en va louer les studios pour en faire des résidences. Il loue les studios là, il peut payer peut-être un an de loyer et puis il meuble le truc. Et puis il fait louer ça aux gens qui viennent d'Europe, il fait louer ça à ses fidèles. Ces fidèles qui ne sont pas sur place, sur Abidjan, qui viennent d'ailleurs, qui ont transport à gaspiller, qui ont l'argent à gaspiller pour quitter d'une autre ville, quitter dans d'autres pays, venir dans convention d'un fouleur comme celui-là. Un marmailleur, quelqu'un même qui s'est attribué le chef des marmailleurs. La marmaille là, ça veut dire ce que ça veut dire. Quelqu'un qui dit ça pour essayer d'ironiser là, faut pas, ne prenez pas ça pour de l'ironie, c'est de la vraie vérité. Il te vend pendant que tu as arrêté devant lui. Celui-là, c'est comme ça qu'il est. Donc, ça, il a entraîné, ça peut dire qu'il a entraîné à faire de la marmaille. Elle dit ça dans ses vidéos aussi. Donc, vous regardez ça, elle vend pommade qui blesse, vous partez payer pommade là. Quand on vous dit de ne pas payer, il y a des bâtards qui viennent s'asseoir pour dire oui, pourquoi tu dis ça, et tu veux gâter son business. Attends, donc, de laisser mes soeurs ivoiriennes se blesser avec acide. De m'asseoir pour les laisser se blesser avec acide, sous prétexte qu'il veut gâter son business. Moi, je ne peux que dire ce qui est vrai. Si tu as la bonne oreille pour m'entendre, tant mieux. Si tu ne m'as pas écouté, c'est quand ça va te brûler là. Aïe. Tu vas arrêter toi-même. Quand ça va te brûler là, toi-même, tu vas cliquer sur quitter en bas de 10. Tu vas laisser pommade là. C'est comme ça, ça est. Donc, Lolo, ta stratégie cette fois-ci là, ça a loupé. Théâtre que tu es en train de faire pour falsifier, pour mentir, pour dire, pour entourlouper le tribunal, fais croire que c'était de l'humour, tu faisais que tu es humoriste là. Tu n'as jamais été humoriste, ma chérie. Tu as toujours voulu insulter les gens qui ne t'ont rien fait. Maintenant là, tu vas payer pour ça. Ah oui, tu vas payer pour ça. Deux jours là, vous allez entendre qu'elle déménage. Quand elle va revenir en France là, vous allez entendre qu'elle déménage de là où elle est là. C'est moi qui vous ai dit ça. Parce qu'ils vont la chasser là où elle habite là. C'est moi qui vous ai dit ça. Elle va quitter là-bas. Vous allez entendre qu'elle a déménagé. Elle n'est plus là où elle habite. Ils vont la foutre dehors. Ici là, elle est logée par le 115. Dans un hôtel, 4 mètres carrés. Et comme là-bas, là, elle ne peut pas faire vidéo là-bas parce qu'elle a grande gueule. Comment est-ce qu'elle, la grande Lolo, la milliardaire, va faire vidéo dans la chambre d'hôtel de 115? Vous voyez ou pas? Donc elle n'a pas le choix. Elle est obligée d'aller se mettre là où elle est là. Pour faire croire, là-bas aussi, là, c'est tellement petit qu'elle est obligée de se mettre à la fenêtre pour se cacher, pour faire truc, pour faire des vidéos, coincé dans les coins. Sinon, vous êtes, si Lolo Boté a une maison, là, elle allait montrer. Grande gueule comme elle est là. Elle allait se montrer. Voilà, voiture avec qui n'est pas pour elle, elle a commencé à montrer ça parce que c'est à sa disposition. Elle roule. Elle, sa soeur. 1, 2, 3, la voiture est 13 millions. Il y a Dieu dans ton affaire. Mimi. Mimi Poclé, là. Mimi pute. La voiture de 13 millions, la gars, c'est pas pour vous. Il en est de quoi avec le gars que tu as blagué qui vit en Italie là. J'ai oublié son nom, mais on m'a dit son nom hier là, j'ai oublié, putain. Ça là, il faut que j'écrive. Je vais aller réécouter. Parce que ça, c'est venu par vocal. Le gars que tu as blagué en Italie, pour lui faire croire que tu as un enfant pour qu'il te marie, pour que tu viennes en Italie là. Le gars que tu as menti, pourtant tu vivais avec un autre gars. Mimi voleuse là, elle vivait avec un gars à Abidjan. Elle a trahi le gars qui vivait à Abidjan là parce qu'elle a trouvé un autre qui vit en Italie. Elle voulait venir en Europe. Elle a fait croire à celui qui est en Italie là qu'elle a un enfant. Et celui d'Italie là, il a voulu se marier avec elle. Il a envoyé tous les papiers de trucs pour qu'elle puisse organiser le mariage. Et puis lui, il va venir pour se marier. On fait un mariage à quatre. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ils vont faire un mariage à quatre. Et le gars, au moins, il va se préparer pour arriver là-bas. Les mimes, il a l'appel pour lui dire que oui, le mariage a déjà été fait.
Aïe. Mariage a été fait sans le marié. Vous avez vu ça où? Mariage à la mairie, hein? Ça a été fait alors que le marié même, il est en Italie. Lui dit, mais non. C'est pas ce qui avait été convenu, je suis désolé. Je devrais être là pour faire le mariage. Si je ne suis pas là, il faut annuler tout ça. Là. Ça, c'est pas moi ça. Et donc, le gars s'est résigné. Elle dit non, qu'ils se sont déjà mariés, que donc le gars, ils vont faire les papiers maintenant, elle va venir. Le gars dit mais non, moi je vais te loger à Abidjan. Donc, il faut rester à Abidjan en attendant le temps qu'on fasse bien connaissance. Parce qu'il est venu là-bas, on fait connaissance et puis il était marié avant de revenir. Même il avait déjà pris les papiers là pour faire mariage, pour trafiquer tout. Une bande de voleurs, de marmailleurs. Donc quand elle a fini de faire mariage là, le gars dit que lui n'est pas dedans. Donc alors qu'en temps, elle vivait avec un autre gars. Et donc comme celui qui en Italie, elle l'appelait tout le temps, ça ne l'arrangeait pas. Comment elle va faire? Elle a quitté celui qui était habitant là pour dire qu'elle rentre en famille. C'est là qu'elle est venue habiter chez sa petite soeur, la prostitute, Lolo Bordel. Et puis, elle habitait chez Lolo Bordel et que celui qui en Italie, elle l'entretenait. Il lui envoyait l'argent, il lui donnait les trucs. Donc elle participait. Le studio là, les deux cotisaient pour payer. En Côte d'Ivoire, tu fais colocation. Moi-même, en France, moi, je ne fais pas colocation. Ce n'est pas dans mon pays, je fais colocation. Toi, en France, tu es en colocation. Dans ton propre pays, tu es en colocation. Et puis, colocation de quoi? Studio. Mais tu ne fermes pas ta gueule, ma chérie, avant qu'on va aller fouiller dans ta vie. Faut fermer ta gueule, ma chérie. Hey! Ah, dans ton propre pays, d'après toi-même, tu es ivoirienne, hein? Tu es en colocation là-bas avec ta soeur, avec tes enfants, avec les enfants de ta soeur. Vous êtes combien dans le studio là? Nyamwa. Vous êtes combien? Avec rideau, même rideau de chambre là. Vous avez vu là, dans sa vidéo la dernière fois là. Rideau là traîne jusqu'à partir. On dirait chez les putes ghanéennes là. On dirait chez les putes ghanéennes là. Rideau qui quitte en haut pour traîner à terre là. Faut savoir qu'il ne se passe rien de bon là-bas. Ah oui. Donc le gars donnait l'argent à Mimi. Donc Mimi est allée habiter chez sa soeur pour profiter, blaguer, escroquer le gars. Donc quand le gars donne l'argent, les deux habitent, les deux partagent les frais et tout ça. Lui, quand le gars a compris que c'est une famille de marmailleurs, de voleurs, là, le gars a mis, il a coupé les liens. Maintenant, vous savez ce que Mimi fait? Elle dit, le gars n'a qu'à la dédommager. Lui dit, tu es malade. Regarde-moi cette pute là. Maintenant, elle a déjà quitté son autre gars là pour lui. Elle habite chez sa soeur maintenant. Elle n'a plus l'argent pour participer. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va devenir chihuahua de sa soeur. Elle va attraper sa coche de sa soeur. Elle va aboyer derrière sa soeur parce qu'elle n'a plus l'argent pour payer facture, pour payer loyer. Elle n'a plus l'argent pour contribuer. Donc, elle est obligée de se faire petite. Et c'est dans son petit là que vous l'avez trouvé là. C'est dans la honte de ça là que vous l'avez trouvé là. Elle est en train de faire wow quand sa soeur fait une vidéo. Wow. Oui, ma soeur. Oui, il y a Dieu dans ton affaire. Eh, ma soeur, la plus belle. Eh, la bénisse. Eh, et entends-toi. Ton affaire. C'est-à-dire que toi, tu abois de où vous habitez là. À votre salon de prostitute là. De là-bas à l'aéroport. Ta limite, c'est l'aéroport. Tu ne bouges pas de l'aéroport. Félix Vauboigny est à limite. Aéroport Félix Vauboigny est à limite. Elle a essayé de venir en France avec le passeport de leur soeur, comment on appelle ça, Angéline Makoso, ou bien quoi, là, qui a un visa de 1 an là-dedans. Et elle a pris Royal Air Maroc pour faire escale au Maroc. Ils l'ont mis pas au Maroc. Attrapé, mettez en prison là-bas. Ils ont payé, marmaillé là-bas. Et quand ils l'ont libéré, elle est retournée, comment on appelle ça, en cas Abidjan. Elle est retenue clopin, jusqu'à elle arriver à Abidjan. Ben, ils n'avaient même pas l'argent pour le payer billet pour retourner à Abidjan là-bas. Vous allez parler avec les gens. Les gens, vos bouches sang comme ça. Vous avez mauvaise haleine. Vous puez la mort, vous là. C'est-à-dire que c'est pas comme. C'est ceux qui vous fréquentent là vraiment. Les garçons qui sont se frotter à vous là. Je ne sais pas c'est quel désespoir qui les envoie là-bas. Quoi. Ou bien ils ont leurs yeux dans des sacs de piment. Ouais, je ne sais pas. Mais vous faites quoi avec ce genre de filles là, qui vont vous attirer de la poisse, qui vont vous attirer le malheur. Parce qu'il y a des gens avec qui on ne couche pas. Il y a des gens avec qui on ne couche pas. Il y a des gens quand tu te frottes à eux là, tu prends.
tu prends ta poisse même. Ça même, c'est même pas blanc. Et ceux-là, c'est le genre de personnes qu'ils sont. C'est écrit sur eux-mêmes. Des porteuses de malheur comme ça, là, ça elles, vous allez aller coucher. Vous allez bander même, rentrer dans le lit, celle-là. Il y a qu'un fait enfant dedans. Aïe! C'est quel désespoir, ça? Donc, je poursuis comment on appelle ça, la marmaille de Mimi. Je vous avais dit hier qu'il allait vous expliquer à faire des Mimi aujourd'hui. C'est ça qu'elle a. Donc, le gars a coupé court. Le gars dit qu'il ne veut plus. Elle est en train de harceler le gars maintenant que le gars n'a qu'à la dédommager. Le gars n'a qu'à la dédommager. Elle pensait qu'elle était déjà arrivée en Italie. Hein. Donc, elle a jeté l'autre là, avec qui elle vivait là. Elle ne veut plus de lui. Lui, il n'a rien compris. Un matin, il vit sa bâtarde de copine. Elle ne se lève pas. Elle dit qu'elle rentre en famille. Hi, tu rentres en famille comment? Alors que c'est parce qu'elle est en train de marmailler, entourlouper celui qui est en Italie là, pour l'aider à venir en Europe. Ça n'a pas fonctionné, ma chérie. Donc vous-même là, vous êtes en quête de l'Europe depuis combien d'années? Ta soeur même a fait photo où il y a des tours derrière elle, tellement qu'elle voulait être en Europe là. Elle allait faire photo pour mettre des tours, Photoshop là, comme si elle était en Europe. Donc Mimi, ton affaire là, ça a échoué. Tout ce qui va venir derrière, ça va échouer. Toi, tu vas rester restangolo de grande sœur, attraper sa coche de petite sœur, aboyer chihuahua derrière sa petite sœur. C'est comme ça que tu vas rester. Parce que ton étoile, là, c'est à ça que ça ressemble. C'est coller sur toi comme ça. Bah, tu vas rester. Tu vas rester derrière, comme fesse. Derrière ta petite sœur. C'est comme ça que tu vas rester, ma chérie. Avec tes dents cassées dans ta gueule. Là. On dirait qu'ils ont mis bombe acrymogène dans ta gueule. Une chienne comme ça. Vous pensez que vous allez voir, vous allez mettre tous vos cuits dehors. Toutes les. C'est dit que je vais bien mériter. C'est dit que. Hey, allons seulement. Allons. Si vous dites que c'est faux, venez faire vidéo pour démentir. Si vous dites que c'est faux, les Makoso, venez faire vidéo pour démentir. Maintenant, voilà Mimi qui est coincée chez Lolo. Elle ne peut pas aller chez l'autre parce qu'elle a quitté. Elle est obligée de rester de l'autre côté. Pause musicale. Pour écouter les injures qui piquent à l'encontre de la Guenon. C'est sur la page Yaka Yaka Paris Bis officiel que tout se passe. Donc voilà hein. Mimi, toi tu vas rester attraper sa coche de ta petite soeur en train de gueuler derrière ta petite soeur. Il y a Dieu dans ton affaire. Et toi, il y a qui dans ton affaire? Ma petite soeur, il y a Dieu dans ton affaire. Il y a Dieu dans ton affaire. Mais toi-même, il y a quoi dans ton affaire? Tu réfléchis. Est-ce que tu penses à ton avenir? Tu as 3 enfants de pères différents, toi aussi. Tu penses à leur avenir, ma chérie? Vous êtes des baiseuses de cour commune, n'importe comment baiser, avec n'importe qui a fait des enfants, n'importe comment déposer les enfants là comme ça. Après, vous partez aligner les enfants là dans le salon pour dire que vous êtes en train de faire don à des enfants, don de cahiers. Pourtant, c'est vous-même vos enfants, les enfants de vos frères, les enfants de vos soeurs, les enfants de vos cousins. Vous les rassemblez tous en rang pour dire que vous êtes en train de faire don. En tout cas, c'est mieux de commencer. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça, je vous félicite pour ça. Bah, c'est très bien de faire ça. Parce que c'est vous-même que vous devez commencer. Parce que vous-même, vous n'avez rien. Donc, au lieu de payer pour faire semblant de donner aux gens, là, donnez-vous à vous-même. Cette marmaille a été découverte aussi. Bah, tous les enfants ont été reconnus. Tous les enfants ont été reconnus par les gens, par les personnes qui vous connaissent. Voilà. Donc, Lolo Guenon, ta stratégie là est tombée à l'eau. Pour échapper à la justice française en faisant des vidéos pour faire croire aux gens que tous les injures que tu as eu à l'encontre des gens étaient de l'humour qui a été pris au premier degré.
ça a échoué. Voilà. Celle qui t'a conseillé ça, là, j'espère qu'elle va écouter ma vidéo et puis elle va s'enlever dedans. Parce que la prochaine fois qu'on va m'annoncer qu'elle a encore son nez dedans, là, elle va apprécier. Si elle veut que je fasse parler d'elle plus que ce qui est déjà fait là, je vais m'occuper de faire ça. Tu n'as pas dit qu'il fait publicité gratuite, ça ne me dérange pas. Moi, je n'ai pas besoin de salaire de Facebook. Je n'ai pas besoin de salaire de Facebook ni salaire de YouTube. Je n'ai pas besoin de ça. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, je n'ai pas besoin de ça. Là, je mange à ma faim, grâce à Dieu. Je dors dans le confort, grâce à Dieu. Donc, je n'ai pas besoin de salaire de Facebook pour manger ou bien pour quoi que ce soit. C'est vous les pauvres, là, vous êtes à la recherche de vues. C'est vous les pauvres là, qui demandez vues, qui boostez vos vidéos pour avoir des vues. Hein? Toi, là, le côté, tu fais vidéo, maintenant, tu as 150 commentaires. 154 commentaires. Et ça m'a fait pitié un peu. Hein? On dirait que tu as shooté, hein, ma chérie. Tu es tombé du 20e étage. Mais t'inquiète pas, tu vas tomber encore. C'est rien, c'est 154 commentaires, là. Donc, Mimi, ta stratégie pour pouvoir escroquer celui qui est en Italie, là, n'a pas marché. Donc, tu es en train de chercher un autre Bengis pour pouvoir te marier, pour venir en Europe. Comment quelqu'un t'envoie l'argent pour dire, fais tous les papiers, j'arrive pour te marier. Avant que lui n'arrive, toi, tu dis que ton mari est déjà fait. Le gars dit, tu dis quoi? C'est dans quel mari?
Mbah. C'est comme ça, ça y est. Ouais, je suis le digne fils de mes parents. Celui à qui ça plaît, c'est comme ça. Celui à qui ça plaît pas, ça va pas changer. Je suis fier d'être né de cette femme-là. Voilà. Qui avait un très grand cœur. Tout le monde, tous ceux qui l'ont côtoyé, reconnaissent ça. Quand ma mère est décédée, là, il y a une dame qui est venue. Une dame qu'on ne connaît même pas, qui est venue dans notre cour. Moi, je ne la connais même pas. La dame est venue, et puis la dame, elle est venue comme ça, elle trouve du monde. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Que non, que je suis venu voir la vieille. On dit, ah, que la vieille est décédée, donc c'est les obsèques. La dame, elle est tombée, elle a commencé à pleurer. Pleurer, elle dit, mais nous, on va manger comment? Elle dit, moi et mon mari, avec mes enfants, c'est la vieille qui nous nourrit. Nous, on n'était même pas au courant de ça. Que c'est la vieille qui nous nourrit. Quand on vient là, elle me donne l'argent pour aller payer sac de riz. Elle me donne sac de riz. Elle me donne l'argent de popote pour mettre dessus. Et puis, elle nourrit mon mari et mes enfants parce que mon mari ne travaille pas. Que nous, on va manger comment? Nous, on l'en fait comment? Elle pleurait. Elle pleurait pas parce que ma mère est décédée. Hein? Elle pleurait parce qu'eux vont manger comment désormais? Pour te dire que ma mère, là, elle n'a fait que du bien autour d'elle. Donc, moi, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'elle est au paradis. Parce que le bienfait n'est jamais perdu. Mais toi, le gore bordel, tu as voulu t'amuser avec elle. Mais je vais m'amuser avec toi jusqu'où tu n'imagines. Je vais rentrer dans tes entrailles, ma chérie. Si tu étais laissé dans cette histoire-là, si tu vois un conné devant une rivière, il ne faut pas boire cette eau-là. Si tu vois un conné traîner devant une rivière, c'est un proverbe de chez nous. Tu ne pourras pas comprendre, parce que tu es très bête. Mais on est dedans. On est dessus. Donc, sur ce, je vous aime bien, mais je me préfère. Je vous aime beaucoup, mais je me préfère. Donc, je vais me faire manger. Et puis, je vais bien manger ce soir là dans la paix du Seigneur. Après, je vais regarder un bon film sur Netflix. Et puis, bon, le dimanche sera passé. Hein? Et puis, demain sera un autre jour. Bon courage pour tous ceux qui travaillent. Et puis, courage pour ceux qui ont des problèmes de transport, qui vont au boulot avec les transports en commun et tout ça. Courage à ceux qui utilisent leur voiture pour aller travailler, qui tombent dans des bouchons infernales. Et puis, que Dieu bénisse ma Côte d'Ivoire. On est ensemble pour la suite du Guinzeli. C'est pas fini encore. Pour ceux qui veulent écouter les injures à l'encontre de la Guénon, c'est Yaka Yaka Paris Bus officiel. C'est là que tout se passe. Bisous à tout le monde et puis à très, très, très bientôt. Salut!